Mesdames et messieurs, salut, bienvenue une fois de plus sur Haitian Public Media. Je suis Abner Jelin. Nous allons entrer dans tous les grands dossiers qui ont fait actualité à travers le monde. À cause de gros crises qui ont traversé Haïti et République Dominicaine, tu as une pile gros tension. Premier ministre Ariel Henry t'a envoyé un diplomate pour l'alchita parler avec autorité dans République Dominicaine. C'était monsieur Daniel Suplice. Lorsque l'ambassadeur a tourné, il déclarait qu'il était chita et parler avec toute gros autorité dans le pays République Dominicaine. Il dit qu'il était parlé avec le président pays, Luis Abinader. Il était parlé avec le cabinet Lio et aussi avec un pilote monde qui est très important dans le pays République Dominicaine. Selon ça que M. Daniel fait nous connaître, dialogue qu'il a gagné avec Mounsayo, il était pour te fuir. Il fait comprendre que il a dit comme ça, il parle travailler ensemble. Vous pouvez ouvrir une ligne de communication et vous pouvez former une commission afin que la crise en Haïti n'ait pas affecté l'autre bois et ensemble, vous cherchez une solution pour résoudre le problème. Alors nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, qui tendons des paroles, il te fait un plaisir parce qu'il sentit peut-être que tu as une solution. Mais hier soir, nous avons un ancien président du pays dominicanien. C'est M. Leonel Fernandez qui paraît qui fait une déclaration. Nous avons parlé de ça matin. Lirele M. Luis Abinader, il dit, si moi-même, moi, t'es où, moi, t'as mis un petit dans le même tout petit. Il dit que le parrain, mais, Jean que, il a traité un série de Haïtiens, surtout les femmes qui l'hôpital. Il dit que bagay sa, il a violé les droits humains. Il dit que bagay sa capable tarnish ou bien craser réputation République Dominicaine. Il demande pour le président de faire ça que le capable pour changer attitude li envers les Haïtiens immigrants dans le pays de l'autre bord. Mesdames et messieurs, il semblait que parole ça, que monsieur ancien président Leonel Fernandez Dian, li gen le frappé Luis Abinader d'une façon qui pas bien du tout. Parce que à peine que M. fin parler, Luis Abinader paraît li faire l'autre déclaration. Mais ça que dit. Li dit comme ça que qui laisse qui pourra parler pour Haïti? C'est ça que le mandé. Qui laisse qui pourrait parler pour Haïti. Bagay sa à peine sorti jodi an la. Question que Luis Abinader mande. Ça veut dire que si que nous pas voulons parler pour Haïti, qui est-ce qui pourrait parler pour pays ça? Et il continue. Mais ça que le dit, nous pas laisser l'île ensemble pour nous tendre déclaration. Luis Abinader, qui est président de la République Dominicaine. Didi, qu'on y a là, la réalité c'est que 75% nation haïtienne, li nan men et gang avec zam. Et ça, li même li pose yon menace sérieux pour République Dominicaine. Ça c'est Luis qui a parlé, semblait que parole ça que l'a dit, c'est réponse à M. Leonel Fernandez qui est ancien président. Il continue pour le dire. Crise en Haïti. C'est travail République Dominicaine pour chercher support tout côté. Il dit que dans le cas, les États-Unis, ils font comme si le problème, l'autre bord, il n'y a pas rien. Ils toujours parlé de dialogue. C'est dialogue qui a parlé. Ça, c'est lui-même, attendez bien, oui. Ça, c'est Abinader qui a parlé. Il dit que US, les États-Unis, par exemple, c'est dialogue qui a parlé. Il pense que dialogue pour résoudre le problème haïtien.
Et il dit avec qui est-ce que vous faites dialogue ça? Avec barbecue, avec 400 maozo, qui moun qui pourrait le parler pour eux-mêmes? Qui est-ce qui pourrait le parler pour haïtien? C'est ça qu'il dit. Qui est-ce? Pas gagné. À qui moun pourrait parler? Avec 400 maozo, avec barbecue, est-ce que ça moun sa yo que vous pouvez parler? Et à la fin, si nous voyons dernier ligne, non, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, problème aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est que moun sa yo, yo contrôle 75% territoire. C'est gang yo qui contrôle 75% nan territoire haïtien. Parole sa yo, c'est parole président pays Louis Abinader qui déclaré, qui dit parole ça. Maintenant, mesdames et messieurs, nous devons comprendre qui ça que Louis lui-même lui veut dire. Malgré que nous pensons dans tête pas nous, situation a défini, nous pensons que solution n'a pas arrivé. Nous pensons que quand même pays ça t'a pas commencé travail avec autorité haïtien yo. Mais mesdames et messieurs, semble que qu'on y a là. Président fâché du fait que c'est comme ça que ancien président a gagné répondi. Bagay ça avait une cause que Louis Abinader réagit de façon ça. Et c'est pas seulement ça toujours. Il y a un autre problème qui a passé Konya là pendant qu'on a parlé là dans la République dominicaine. Par exemple, il y a une bagarre qui fait nous penser que Louis l'a agi comme ça. Hein? C'est parce que semaine ça là, c'est pas deux manifestations qui sont dans la rue dans la République dominicaine. Côté que peuple là lui-même, il soulevé contre gouvernement à cause du prix gaz qui augmentait dans le pays. Ça veut dire que peuple a pris la rue. Yo a manifesté contre gouvernement dominicanien qui a fait comprendre que gaz la trop cher. Yo fait comprendre que grand pile moun k'ap augmenter prix gaz la sous do yo et yo pas capable avec situation ça. Ça veut dire que qu'on y a la pendant qu'on a parlé là, situation k'ap passé en Haïti a, li presque aussi a passé dans République dominicaine tout. Li pas même gens avec la caille. Mais quand même, li commencé à montrer tête li parce que l'économie pays dominicain commence à descendre. Une autre gros bagan qu'on passe aujourd'hui là, mesdames et messieurs, c'est que côté que yon arrêté trois gros générales dans la fraude dans la République dominicaine. Trois générales de l'armée République dominicaine qui ont kembé dans la fraude et yon arrêté tous les trois. Ça veut dire corruption, problème économique, peuple qui commence à soulever contre Louis Abinader. Il a besoin d'une façon quand même pour le capable de faire peuple la garder. Non, songez bien. Moi pas dit que Haïti pas un problème. Moi pas dit que il pas une raison pour le parler contre ce qui passe en Haïti. Même le fait qu'on est que après nous fin parler, nous fin chita nous parler, nous discuter ça nous pas le faire. M'a raison pour que Louis te retourne encore à faire menace ça. Selon moi-même, c'est parce que Louis, ouais, il y a un pile problème dans le pays. Il a besoin de façon pour capable créer diversion. Et il continue à pousser sur Haïti. Tenez bien ça qu'il dit. Il dit que à qui moun pour le parler dans le pays? Nous connaissons qu'il était déjà pas un leader dans le pays. C'est vrai. Nous ne pouvons pas dire menti. Pas un leader vraiment. Mais actuellement, après deux jours que yo fin parler, m'pa pense qu'il est nécessaire pour le tal soulever parole ça. Mais semblait que c'est à cause de tout problème ça qu'on passe dans le pays. Hein? C'est eux-mêmes qui fait que Louis Abinader qu'on y a là, ouais, que Haïti, c'est seul côté capable d'utiliser pour que peuple dans le pays capable seulement garder bagay ça qu'on passe en Haïti, mais peut oublier la caille tout, grand pile gros problème. Donc situation li drôle. C'est difficile, mais nous ne connaissons pas est-ce que Louis Abinader lui-même personnellement, il pourra laisser ça tomber
ou bien le poil continuer dans la promesse qu'il a fait à M. Daniel Supplice pour travailler ensemble pour capable résoudre le problème ça qui gagne dans le border. C'est pas ça seulement. Nous avons un pile monde qui est citoyen dans la République dominicaine qui déclare que vous voulez que Louis ait une pire agressive avec Haïti. Vous faites comprendre qu'il y a plusieurs sections terre qui sont terre Haïti que c'est pour la République dominicaine qui est. Vous faites comprendre que les Haïtiens étaient volés parti dans la terre. Et dans ce sens, ça, vous demandez pour le président pays à lui-même, l'État travaille plus sérieux, fait plus by plus force, vient plus agressive pour le capable, ouais, qui Jean, il est capable de résoudre le problème ça. Donc, c'est ça que moi, c'est comme ça que moi, situation est drôle, mais quand même, c'est comme ça que le pays dominicain lui-même, nous, la situation qu'on y a là. Donc, merci Abner Gélin pour Haitian Public Media. Passez un bon après-midi. Bonjour, bénis-nous. Bye bye.